Le R-Silence commence à rentrer en plein doute. Le R-Silence commence à se poser des questions. Lens a été neutralisé ce soir avant le match entre Reims et Paris. Un but partout à Rennes. Mais c'était très chaud. Le R-Silence a arraché le point du nul à la toute dernière seconde. À la 90 plus 9. Grâce à la recrue estivale Mbala Nzula, suite à une relance de balle malencontreuse de Steve Mandanda qui marque dans le but vide et qui arrache le point du match nul, validé par l'arbitrage vidéo, un but partout. Les Lensois ont clairement pas fait un match bien, ont été mis fortement en difficulté par des Rennais quand ils jouent à domicile face à leur public, face à leur ambiance de dingue du Roissan Park. Ils se font souvent mal à tous les adversaires qu'ils affrontent. Des défaites peuvent arriver, mais souvent, dans le match, dans le rendu de copie, c'est souvent très bon. Et c'est ce qu'ils ont encore fait ce soir face à Lens en ouvrant le score très rapidement. Et ensuite, les Rennais n'ont pas cherché à forcer l'addition. Même avec 1-0, ils voulaient garder ce score. Ils gardaient le contrôle du ballon, ils laissaient du jeu à Lens. Ils laissaient Lens attaquer, ils restaient bien concentrés en défense. Les Lensois ont essayé de tenter, n'ont jamais eu la possession, n'ont jamais eu la domination, mais ont toujours essayé d'attaquer, de se concentrer, de bien construire leur contre-attaque. Et les Rennais ont reçu tenir jusqu'à la dernière seconde avant le but salvateur d'Mbala Nzola. Les Lensois, il va falloir se poser des questions.